La guerre des omnibus s'achève dans le sang. Donne-moi un. Et voilà, monsieur. Il faut en finir avec cette bienveillance stupide envers les étrangers et se concentrer sur ce dont Londres a vraiment besoin, une main de fer qui tirera tout le monde vers l'excellence. Les champions de l'industrie dictent le marché du monde. Trouve-toi un travail, espèce de parasite! Les meilleurs gardes sur le marché. Ça ne te sauvera pas, Dredge. Quelqu'un parmi vous a-t-il visité le coffre à côté? My palate is already yours. What's all the nuts? Regarde devant toi et avance. Allons! Hey, mais attendez! Je connais cette voix! Fry! C'est vous? Fry! Jacob! C'est moi, le sergent Frédéric Aberlin. Freddy. Sergent, je suis incognito. Il va y avoir un vol à la Banque d'Angleterre, j'en suis certain. Un vol? C'est une forteresse. Les gars du poste croient que j'ai perdu la tête. Ils riraient moins s'il s'agissait de leurs économies. Qui est derrière tout ça? C'est confidentiel. Oh, allons, Freddy. Je peux t'aider. Imagine un peu les gros titres. Les voleurs pris sur le fait, Aberlin avait raison. Ma foi, j'imagine que je peux vous en toucher deux mots. Tous les trimestres, une succursale de la banque se fait détrousser, et ce n'est jamais la même. Les voleurs sont fournis par Coca Merchants. Merci pour le tuyau, Freddy. C'est sergent. Et je garderai l'œil sur vous. Je ne construirai pas un seul omnibus pour des criminels. Non, tu feras ce qu'on te dit, Bailey. On ira rendre une petite visite à ta famille. Ne les mêlez pas à ça. Hey! Tous sur lui! Allons-y. Allez.
Prenez votre souffle, ils sont partis. Si seulement ils vont s'en prendre à mes enfants. Ils vont s'en prendre à mes enfants. Et pourquoi les Blighters s'en ont après vous? En ville, rien ne va plus depuis que Cacaoué Transport et la Milner Company ont disparu. Ça a laissé un vide, et c'est toujours comme ça. Les banques veulent le combler. Allons-y. Bon travail, Jacob. Moi, Ed Bailey, je suis le seul à construire des omnibus dans cette ville. Et ils veulent que je travaille pour eux. Je connais des gens bien, qui veulent fonder une société de transport unifiée, une entreprise où tout le monde aura sa place. Comment disent-ils en Amérique? Pour le peuple, par le peuple? C'est l'objectif de la London General Omnibus Company. Mais ces bandits détiennent l'acte de Cacaoué Transport. Et on en a besoin pour lancer notre société. Monsieur Bailey, je suis Miss Fry. Je défendrai votre cause. Oh!
Je vais m'occuper de toi personnellement. Excuse-moi. Les Blighters ont reçu le message. Votre famille ne craint plus rien. Oh, vous êtes une vraie bénédiction. Les membres fondateurs de la London General Omnibus Company. Des gens de qualité. Des gens bien. Nos omnibus seront bientôt dans les rues. Merci, Miss Fry. Je vous en prie. Si je savais de quelle cargaison il s'agit, je pourrais suivre ces armes jusqu'à leur propriétaire. Excellente idée, Freddy. Nous y voilà, les quais de chargement. Mais où sont les caisses que Cockham compte envoyer à Monsieur Plutus ? Où diable sont ces armes ?
Du thé. Ce n'est pas encore l'heure. Hello. Il ne me reste plus qu'à attendre qu'on vienne les récupérer. J'ai aucune envie de réduire cette cargaison en poussière. Protégez ces caisses. Toute erreur vous coûtera très cher. T'énerve pas, toi. On a compris. Tant mieux. Parce que je compte pas me répéter. Dommage que je n'ai pas le temps de boire une pinte. Foutu brouillard.
Je parie que Grimmy suit Evie en ce moment même. Le bougre. Plutus est tout béni. Thank you.